Yo les gens, salut à tous, y'a Salem, ou alaikum à tous mes frères, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en mode Domination sur la carte Takeoff. Donc aujourd'hui mes frères, je suis simplement très content, je suis vraiment très heureux de vous proposer ce joli gameplay. Il s'agit tout de même d'un titre nucléaire sur les anciennes cartes de Call of Duty Black Ops 1, c'est-à-dire sur la carte Stadium. Sauf que dans celle-là, les cartes sont remasterisées, etc. un peu dans le turfu, dans le futur si tu préfères. Donc voilà. Normalement, cette vidéo-là aurait dû être une vidéo foire question, mais j'ai pas pu la faire pour la simple et unique raison. C'est que je manque de gameplay. Dans mon disque dur, je possède que ce gameplay-là. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que mes gameplays, je les prépare jamais d'avance. C'est-à-dire, j'ai jamais 30 gameplays en avance et me dire, tiens, j'ai juste à les commenter maintenant. Non, c'est je fais jour le jour. Et ce qu'il faut savoir avec moi, je pense que ça, vous allez pas me le contredire, c'est que quand je vous propose des vidéos par semaine, c'est une à deux vidéos par semaine. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est pas non plus une chaîne communautaire. Je suis pas non plus... Je carbure pas plein de balles, j'ai dit, tiens, vas-y, faut mettre de la production. Non, ça m'arrive parfois de pas publier des vidéos pendant une semaine, des fois des vidéos pendant 10 jours, 2 semaines, etc. Je vais selon mon rythme. Et ce qu'il faut savoir ces derniers temps, c'est que j'ai... Enfin, ces derniers temps, ouais. C'est qu'en ce moment, j'ai pas publié de vidéos pendant 5-6 jours. C'est pas non plus dramatique, mais... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui prennent forme dans ma vie privée. Ou que ce soit dans le monde de YouTube. Dans le monde de YouTube, on en reviendra juste par la suite. C'est d'ailleurs le sujet de la vidéo, d'accord? Donc ce qu'il faut savoir ces derniers temps, c'est qu'il y a certaines choses qui prennent forme dans ma vie, tout doucement, mais sûrement. Ça met du temps, mais j'ai jamais joué contre le temps, alhamdoulilah. J'ai toujours laissé le temps faire les choses bien comme il faut, et même si ça mettait un an, même si j'ai 26 ans, etc., on joue pas contre le temps, et on prend ce que Dieu nous prescrit, ce que Dieu nous donne, tu vois ce que je veux dire? Je joue pas contre ça, et voilà, ça a mis un peu de temps, mais c'est venu. Et cette petite chose-là, c'est qu'en fait, j'avais fait une demande d'appartement, il y a quelques mois de ça, et j'ai déjà eu une réponse favorable, donc voilà, donc les démarches commencent à se faire petit à petit, et voilà, c'est vraiment une bonne chose, c'est vraiment un bon début pour moi. Et je préfère ralentir dans cette période où Call of Duty Black Ops 2 pète les couilles à tout le monde, et me consacrer un peu à mes démarches, à mon nouvel appartement, Inch'Allah. Et justement, pour que, comme ça, à la suite, quand il y aura Call of Duty Ghost, bah, je pourrais être tranquille, et enfin... faire ma vie privée tranquillement, sans me soucier de ce qui se passe à côté, à gauche, à droite, et puis voilà. Il y a aussi beaucoup de choses qui prennent beaucoup de place dans ma vie, c'est aussi la santé de mon père, etc., qui commence à devenir très grave, etc. Et voilà, c'est des choses très dures à gérer, à supporter, et voilà, malgré ce qui peut se passer sur YouTube, on garde tête, on transperce justement ce défi, on relève ces défis de la vie. En gros, chaque jour que tu passes dans ta vie, c'est un défi de la vie. Et voilà, je les relève en gardant la tête haute. Et voilà, pour l'instant, on est toujours là et on sourit, même si parfois ça va pas. Même si à mes yeux, on voit je suis un peu fatigué, mais on tient le coup, alhamdoulilah, on tient le choc. Et c'est comme ça qu'on renforce notre carapace, alhamdoulilah. Donc voilà. Donc maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est en ce qui concerne Activision. Je vous ai fait part ça sur Facebook et sur Twitter. Je vous ai publié une publication en vous faisant comprendre qu'est-ce que vous pensez si un de ces quatre, bah, je serai en partenaire, en sponsoring avec Activision. Vous en diriez quoi? Et beaucoup d'entre vous, j'étais vraiment très choqué de vos réponses, c'est que beaucoup d'entre vous étiez d'accord. Et ce qu'il faut savoir aussi dans YouTube, c'est que toute ma communauté YouTube ne me suit pas forcément sur Twitter et sur Facebook. D'accord? Donc j'étais très choqué de vos réponses. Pourquoi? Parce que justement, avant de publier sa publication, j'avais peur. Ma peur, c'était quoi? C'est qu'on me traite de produit de marketing. Puisque c'était ma seule crainte. Et ça a été le cas contraire. Je vais vous faire montrer des screens, ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire montrer des preuves que, comme quoi ma publication a été favorable, etc. Mais je préfère quand même faire la demande sur YouTube. Certains me diront, mais Zekiri, mais pourquoi tu nous demandes? Pour la simple et unique raison, c'est que vous avez un droit sur moi par rapport à tout ce que vous avez pu faire pour moi. C'était pas comme si sa mère, on avait passé 2 mois ensemble. On l'a tout de même passé 2 ans. On a tout de même passé 2 ans ensemble. Il y a parfois vous étiez d'accord, parfois vous étiez en désaccord, il y a parfois vous étiez déçu, il y a parfois vous étiez émotionnel. Il y a eu du parcours sans mère, tu vois. C'était pas comme s'il y avait rien. Il y a eu quelque chose qui s'est construit entre nous. Et c'est pour ça, rien que vis-à-vis de ça, vous avez un droit. Et ce droit-là, c'est de choisir pour moi. Parce qu'il y a une expression qui dit, n'oublie pas d'où tu viens. Tu vois, n'oublie pas...
sais, quand t'as tes origines, etc., on te dit n'oublie pas d'où tu viens, toi. T'es certes en France, mais n'oublie pas d'où tu viens. YouTube, c'est pareil. C'est n'oublie pas comment t'es arrivé ici. Et si t'es arrivé aussi aujourd'hui, c'est grâce à nous, Jaoué. T'as beau nous proposer des beaux gameplays, t'as beau nous proposer des lots, y a pas de souci. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on t'a rien demandé. Tiens, je suis cash avec vous, je vous le dis. Je dis ce que vous pouvez penser dans votre tête. Que parfois, certains n'osent pas dire. Parce que, ouais, tu nous proposes des lots, mais on t'a rien demandé. Tu vois ce que je veux dire, on a été là pour toi, quand tu nous demandais de mettre des likes, on mettait des likes. Quand tu nous demandais d'être tolérant sur ta façon de parler, on était tolérant. Quand tu nous demandais d'être tolérant sur la façon de t'écrire, on a été tolérant. On a été beaucoup tolérant envers toi. Même un peu trop, je pense. Donc rien que vis-à-vis de ça, on a un droit sur toi. Tu vois ce que je veux dire, c'est que parfois c'est comme ça qu'il faut parler, parfois il faut savoir être cash. Et c'est pour ça que je le reconnais, vous avez un droit sur moi. Et ce show-là vous appartient, c'est vous qui déciderez si je peux avoir ce sponsoring avec Activision ou pas. Si je vois que le choix est favorable, je saute sur l'occasion, parce que c'est un rêve. C'est rêve de tout gamer d'avoir un sponsoring avec Activision, sachant que vous serez invité dans des événements, que vous testerez Call of Duty avant tout le monde, etc. Tu vois ce que je veux dire? En sachant que Call of Duty Activision, ils vont faire un événement dans un château, pour que je puisse tester Call of Duty Ghost. Et pour moi, c'est une belle opportunité, en sachant que les gens qui sont sponsorés avec Activision, c'est que des grands youtubeurs, c'est du Wartech, c'est de Monsieur Level 12. Et là, pour une fois, ça m'emmerde, dans la première fois dans le monde du jeu vidéo, dans le monde du FPS, t'as un putain de Bledard débarqué de Casablanca, frère, qui va être en sponsoring avec Activision. Vaut mieux en rigoler que pleurer, tu vois ce que je veux dire. Un mec qui sait pas parler de jeux vidéo, mais qui va être en sponsoring, tu vois ce que je veux dire, c'est pas magnifique. C'est une première quand même, ça me dire, tu vois, ça fait plaisir, c'est pas non plus donné à tout le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Activision, pour avoir quelque chose avec eux, c'est pas donné. C'est pas parce que t'as 80 000 abonnés que tu fais du 100 000 vues que moi te dire ouais. C'est selon comment tu présentes ta chaîne. C'est aussi ton comportement. C'est aussi un peu comment tu parles du jeu, comment tu parles un peu de Call of Duty, du multiplayer, aussi du mode zombie. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas non plus aussi détesté dans la communauté de YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses qui sont prises en compte. C'est comme chercher du travail. Il y a plein de choses qui sont prises en compte. Hein. C'est pas parce que vous savez bien parler, que vous avez le visage bien propre. Non. C'est aussi votre tenue, comment vous vous tenez. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses qui sont prises en compte dans la vie réelle. YouTube, c'est pareil, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc c'est pour ça que vos avis sont très importants pour moi. Et franchement, si vous me donnez cette chance-là, bah, je serai tout simplement content. Je vous remercierai. Et ça, je pense que vous le savez autant mieux que moi, quand je remercie, je sais faire les choses bien. Et si je n'ai pas cette occasion, bah, que je fasse quoi, j'écouterai votre choix et c'est pas grave. La vie continue et voilà, on continue comme si de rien n'était et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne changera pas mon comportement envers vous. Ça, je tiens vraiment à le souligner. C'est vrai que parfois, ça m'arrive de m'emporter, de mal parler. Mais aussi, parfois, il faut que je fasse comprendre aux gens que je ne suis pas un baltringue. Je ne suis pas une victime. Parce que j'ai l'impression que des fois les gens veulent voir l'image qu'ils veulent voir. C'est-à-dire que t'as des médias qui veulent faire montrer l'image qu'ils ont envie de voir les gens, tu vois. C'est-à-dire la mauvaise image. Je me retiens des fois, cher les dents, la vie de ma mère, sur le corps, des fois, cher les dents. Et c'est super dur sur la tête d'homme. Voilà, la Adem, c'est vraiment chum, c'est dur. T'as ta vie privée qui prend du temps, tu sais que ta famille elle est un peu malade, etc. T'as ton papa qui. Sa vie attire un fil, tu vois, c'est dur, frère. C'est très, très dur. C'est pour ça, des fois, je m'emporte et des fois, ça me vient. Des fois, la vie de ma mère, le PC, j'ai envie de le prendre, de le balancer. Mais là, je prends sur moi. Et c'est ce qui me permet de me renforcer, de me rendre un mec un peu plus meilleur, déjà. Je suis pas parfait, mais on essaie de le devenir, tu vois. On essaie de le devenir et on devient une bonne personne avec le temps, pas du jour au lendemain, tu vois. Mec, pas grave, tranquille. Bref. Voilà, le choix vous appartient, je vous laisse décider de tout ça et voilà, tranquille, ok. Bref, sur ce, je vous laisse sur cette fin, portez-vous bien, encore merci à Amine Original et Karl, sans vous, bah, j'aurais pas cette opportunité. J'ai encore d'autres sponsoring, franchement, mais le plus important pour moi, c'était Activision, et c'est vraiment quelque chose de grand qui s'ouvre à moi, et n'oubliez pas, comme j'ai pu le dire, c'était pas comme si ça faisait 3 mois qu'on se connaissait, il y a quand même 2 ans d'aventure, et faut pas l'oublier. Sur ce, Yadbeyan, comme, Sound of Oroscom, salam. Ciao, bye. Opération réussie. Bon travail, les gars.